Salut à tous, bienvenue dans Sans Filet, bienvenue sur Winamax TV. On est ensemble pendant 40 minutes pour parler tennis, évidemment, avec Julien Varlet, que vous voyez, Benoît Mélin, et puis notre invité exceptionnel aujourd'hui, Jean-François Caujolle, directeur de l'Open 13 Provence. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous déjà, et bienvenue. Merci. On vous salue aussi dans le chat sur Winamax et sur YouTube. Salut Manon, salut Jonathan, salut Gabriel, salut Jean-Paul. Au programme de cette émission, Roland-Garros évidemment et nos plus beaux souvenirs, notamment ceux de la première semaine. On vous racontera aussi quelques anecdotes parce que je sais que vous êtes friands de ça. Julien, ce sera une seule anecdote, hein. Tu n'en balances pas 50 parce que c'est 40 minutes l'émission. D'accord ? On respecte le patron. Et ensuite, là, il y a Jean-François qui est en train de réfléchir. Attends, oui, raconter. C'est ça, il faut une petite anecdote bien sympa. Et puis, on reviendra évidemment sur les propos de Marion Bartoli concernant le double. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Jean-François, notamment hein, sur le chat YouTube et sur Winamax. Bon, vous le savez, messieurs, on aurait dû être en pleine première semaine de Roland-Garros avec du soleil, en plus avec du soleil. Donc, pour se consoler, on va se remémorer nos plus beaux souvenirs porte d'Auteuil. On va se concentrer surtout sur le match qui nous a le plus marqué en première semaine lors des dernières éditions. Julien, tu as une petite idée ? Attends, on a le droit de remonter jusqu'à quand ? Oh, comme tu veux. Air open. Okay. Julien, vas-y, commence. Moi, c'était sur le cours numéro 7. J'étais plutôt jeune, c'était un... Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'était un David Prinosil, Ronald Agénor, où ça avait fini au 5e set, et Agénor avait gagné 11-9 au 5e, et c'était... Moi, j'adorais le style de jeu d'Agénor, qui était assez puissant, pas très grand, mais très puissant, très beau revers à une main, et ça faisait vraiment une belle opposition à Prinosil, qui, au contraire, était porté vraiment vers l'avant, en venant très souvent au filet, et c'était... voilà, moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs que j'ai d'un premier tour. Alors, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, ouais, mais parce que je veux sortir un peu de l'ordinaire. Je ne vais pas te dire, voilà, sur les 3-4 dernières années, mais je remonte un peu plus haut et c'était un grand match. On va basculer du côté de Benoît. Benoît, un match à retenir. Ouais, Ronald Agénor. Ouais, bon, moi j'adorais. Non, mais je l'adorais. Ronald Agénor. Purée, je me suis arraché le micro. Moi, c'est. J'ai toujours été fan de Paul-Henri Mathieu. Et j'avoue. Isner. Non. Bah non. Non, parce que celui-là, ouais, il est extraordinaire, parce que voilà, il s'était fait opérer, on sait, là, il s'était fait fracturer le tibia et le péroné pour remettre dans l'axe sa jambe gauche, 11 mois de souffrance, il arrive, il joue Isner, il le bat 18-16 au 5e, match de 5h30, 7e, et ben non, c'est pas celui-là. Attends, juste parce que c'était un 28 mai, ce fameux Paul-Henri Mathieu Isner, et on est le 28 mai, donc on embrasse Polo aussi. Eh ben, je reste sur Polo. Moi, le plus beau match que j'ai vu de Polo à Roland-Garros, c'était contre Raphaël Nadal en 2006. Un match complètement dingue, match du 3e tour. Donc, on reste dans la première semaine. Et moi, je me souviendrai de ce match parce qu'on n'imaginait pas du tout que Paul-Henri Mathieu puisse lui faire mal. Il avait gagné l'année d'avant. Il était encore une fois incroyable sur terre battue. Et il avait commencé le match, mais c'était l'intensité. Quand il gagne le premier set, où il a la bagarre mano à mano contre le Rafa, mais le niveau de match était complètement dingue. Et je me souviens qu'après, bon, Rafa se remet en position, égalise un set partout. Et dans le 3e set, il y a ce fameux incident où tu sens que le Rafa n'est pas bien du tout. Et puis, il mange une banane à un changement de côté. Il revient sur le court. Et tu sens qu'il n'est pas bien, quoi. Et là, tout d'un coup, il nous fait le coup de la banane qui est coincée dans la gorge. Et c'était la première fois que Rafa se faisait siffler sur le court, hein. Et là, hop, il interrompt le match. Il va tousser sur sa chaise. Genre, j'ai la banane coincée dans la gorge. Et derrière, bam, il aligne 3 jeux. Et il finit avec le 3e set pour lui et le 4e set derrière. Mais ce match-là, je crois que ça avait duré quasiment 5 heures aussi. Je crois que ça avait fait 4h50 ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est la première fois que je voyais Nadal autant en difficulté contre un pur cogneur comme lui, quoi. Jean-Paul est d'accord avec toi sur YouTube. Il nous dit énorme ce match-là. Jean-François, ton plus beau souvenir à Roland-Garros en première semaine? Le plus beau, hein. Le plus beau, je ne m'en souviens pas tout véritablement. Soit je parle des miens de match, soit je parle de ceux que j'ai pu voir. Je pense que dans ceux que j'ai pu voir, il y avait un Santoro Clément où j'étais resté figé sur mon siège jusqu'à 21h45 pour voir, je crois, un 18-16 au 5e. Ça avait été un super match, super ambiance. Et l'ambiance de Roland-Garros comme on l'aime, c'est-à-dire le soir un peu frais, mais avec toujours quand même du public et du public de connaisseurs. Donc voilà, ça c'était un super souvenir. Mais comme disait Julien, sur les cours annexes, il y a eu des matchs extraordinaires les premières semaines. La première semaine, il faut la voir sur les cours annexes. Ce qui se passe sur le central, en général, c'est inintéressant parce que ce sont les têtes de ces trois. Non mais c'est vrai. Qui mettent des tolls, et surtout depuis quelques années, depuis qu'on a Nadal, Djoko et Federer. Aller sur le central en première semaine, ça n'a aucun intérêt. Bah depuis qu'ils ont enlevé les 16 têtes de série. Et ben voilà, Julien, tu es un militant aussi pour les têtes de série. Ah ben ouais. Ah, c'est notre combat, Jean-François. C'est notre combat aussi. Voilà, moi aussi, c'est le mien. Mais on parlera après certainement du match contre Connors. Mais oui, on va en parler. Forcément, on va en parler. Alors, il y en a beaucoup dans le chat. Il y en a un qui nous dit le compte Mota en 88, c'est chelou, mais énorme souvenir. On aurait pu dire aussi Tsitsipas Wawrinka l'an dernier, 5 heures sous le soleil, combat incroyable. Puis il y avait Wawrinka-Gasquet aussi en 2013. C'était un régal côté technique, un match magnifique. Ricci qui prend les deux premiers, puis qui s'incline après en 5, 8, 6 au vert. Enfin, voilà. Et le Monfils Fonini qui se finit avec simplement les panneaux qui éclairent le court. Ça avait été dingue, ça aussi. On aurait pu aussi citer des matchs de femmes avec Razzano contre Williams en 2012. Bah, on en a déjà parlé de ça. On en avait déjà parlé? Oui, mais c'était pour un petit clin d'œil féminin. Alors, ils en raffolent aussi. Ça va être le moment des anecdotes. Jean-François, évidemment, je vais venir vers toi parce que c'est… Ah oui, on attend ce fameux match contre Connors 180. On veut absolument savoir. Ça va être le moment des anecdotes de Roland-Garros et on commence par Jean-François. Vous avez 5 minutes parce qu'il faut faire la… Oui, vas-y. Pour faire la genèse de l'histoire. Avant Roland-Garros, je joue Connors à Wimbledon. J'apprends et c'est un journaliste qui m'apprend. Il me dit tirage au sort, tu joues Connors. Alors je me dis… Bonne nouvelle, je vais jouer sur le central. Mauvaise nouvelle, aller jouer Connors à Wimbledon, c'est quand même pas facile. Donc le gars me demande qu'est-ce que tu vas faire pour t'entraîner. Je lui dis je vais aller à la plage tous les jours parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc en effet, je suis allé à la plage tous les jours. Et le dimanche, on arrive avec Yannick en voiture de Paris. On arrive à 23h à Londres. Le lendemain, on va s'entraîner au Queens. Queens, bien sûr, il pleuvait. Donc on joue sur dur 25 minutes avec McEnroe et Gene Mayer à côté qui faisaient que des services. Et puis, donc, arrive l'heure du match. Et l'heure du match, premier jeu, je sers, je me prends 4 tours gagnants. Je fais le service volé. J'avais un assez bon service de gaucher, je monte. Le temps d'arriver au filet, la balle était déjà au fond. Donc, 2-0 sans service. Mon jeu de service, jeu blanc, encore une fois, 4 tours gagnants. Et là, je me dis, je ne vais pas monter au filet, me fatiguer et me prendre une tôle. Donc, ce que je vais faire, je vais rester au fond du court. Et à partir de ce moment-là, je perds 6-3 le premier, je gagne le second, j'ai balle de 7 au troisième, donc je perds au tie-break, 7-6. Le juge-arbitre vient me voir, et Julien, je ne sais pas si tu as connu cette époque, il y avait deux vestiaires, il y avait le vestiaire des bons et le vestiaire des mauvais. Il y avait et la plèbe. Donc, et le juge-arbitre me dit, écoute, tu as fait un match assez exceptionnel, tu vas pouvoir demain aller dans le vestiaire des grands, sous le central. Et le lendemain, je perds 6-4 sur un break, mais en faisant un super match. Je le rejoue à Monte-Carlo. 3 mois plus tard, ou 5 mois plus tard, je le bats à Monte-Carlo. Contre toute attente, il était numéro 1 mondial, j'étais 50e, donc Connors ne perdait jamais au-delà de la 10e place mondiale. Et arrive la conférence de presse de Roland-Garros. J'atterris à Orly, et à ce moment-là, il y a les journalistes qui sont là, et il y a un Japonais qui lui demande, qui lui pose la question, et qui lui dit « Qu'est-ce que vous attendez de Roland-Garros ?» Et il répond « Jouer Caujolle. » Mais qui est Caujolle? Pas d'où je sortais. Donc, il dit, le mec qui m'a battu à Monte-Carlo. Je veux laver la peau. Le tirage au sort fait en sorte que Jimmy joue contre Panatta au premier tour, qui était 17e mondial. 17e mondial. Donc, il lui met une tôle. Moi, je joue Marcus Ocevar et je joue contre Connors. Je mène 6-2, 6-3, 5-2 balles de match. Donc, à ce moment-là, le passing, il sort de 2 mm ou 3 mm, je ne sais pas, mais j'avance en commençant à enlever les bras parce que je pense que lui s'avance vers le filet et puis en fait, la balle est faute. Après, l'histoire fait que je perds le match. En conférence de presse, lorsqu'on pose la question à Jimmy, il dit « Mais vous revenez de nulle part ». Il dit « Je n'ai jamais été inquiété. Ma tactique était la bonne. » Sa tactique, c'était quoi? C'était comme je me déplaçais très très bien latéralement, il me faisait des amortis. Mais il n'avait pas beaucoup fait d'amortis dans sa carrière, pas sur terre battue. Donc sa amortie était très flottante, elle arrivait à mi-cours et j'arrivais à faire le point derrière. Donc sa tactique était pourrie, mais bon, il n'a jamais voulu le reconnaître. Et moi, ma tactique, elle était relativement simple. Je faisais des balles molles sur son coup droit et j'attendais une ouverture pour avancer dans le cours. Et lorsque notre journaliste lui pose la question « Mais votre coup droit, il est quand même particulièrement faible », et là, il dit « Par rapport à quoi? Mon revers est exceptionnel, j'ai le meilleur revers du monde, j'ai peut-être le deuxième coup droit du monde. » C'est vrai. Mais donc, voilà. Et à part le fait qu'il m'a insulté tout le match, il me marchait sur les pieds lorsqu'on changeait de côté, systématiquement. Donc, voilà. Mais lorsque j'ai perdu le match, j'ai dit… à la télévision, merci au public parisien, mais c'est vrai qu'il y a eu le public parisien, mais il y a eu tout un concours de circonstances. L'arbitre qui était prévu était malade, donc on a mis un vieux monsieur, un vieil arbitre qui n'était pas prévu et qui s'est un peu laissé avoir par l'intox de McEnroe, mais rétroactivement, si on, de Connors, pardon, et rétroactivement, si on me dit j'ai dit moi j'aurais été pour Connors parce que j'adorais Connors, j'adorais son jeu. C'était exactement l'opposé du mien. Lui, il était hyper dynamique, il avançait toujours, il exultait, et moi j'étais plutôt en retrait. Donc le prototype du joueur, c'était Connors. Donc si j'avais été dans les tribunes ce jour-là, j'aurais été pour Connors. Et on rappelle, hein, donc il mène 6-3, 6-2, 5-2 balles de match. Ah ouais, c'est terrible. Il perd, à la rigueur, après, c'est un match. C'est digéré aujourd'hui, Jean-François? Ah non, mais regarde-le, il n'a pas digéré. Non, c'est digéré, d'autant plus que derrière, ça a fait beaucoup plus que ma publicité, parce que beaucoup de personnes me disent de ma génération, tu te souviens, c'était en finale. Non, c'était au deuxième tour. Ouais. Il avait fait quoi, Connors, cette année-là? Connors avait fait demi-finale. Il fait demi, là. Il perd contre Guerrillaitis. Guerrillaitis, 6-4-5e. Et il ne faut pas oublier Connors, parce qu'on dit toujours que Connors n'était pas bon sur terre battue. Ah, pardon. Oui. Il bat Noah, il bat Gildemeister. Derrière, il bat Panata, il bat Zugarelli, il bat Gildemeister, Noah. Et il perd contre Guerrillaitis, 6-4-5. Parce qu'on se souvient, hein, pour la petite histoire, que Connors, en 1974, c'est le mec qui gagne l'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open. Il gagne, je ne sais pas, genre 80 matchs pour 4 défaites. Et on se dit que s'il n'avait pas été interdit de jouer Roland-Garros par Philippe Chatrier, parce que lui préférait jouer le circuit américain WCT très, très bien payé, il a été banni de Roland-Garros. D'ailleurs, il avait pris Robert Badinter en avocat pour essayer de se faire remettre dans le tournoi. Il a été débouté. Et il n'est pas venu à Roland-Garros de 1974 jusqu'à 1979. Alors, dans la suite des anecdotes, c'est que l'année d'après, j'ai rejoué Connors. Ah, ouais. Et à Roland aussi. Et il faut savoir une chose, c'est que je m'étais fait une entorse avec une déchirure des aponevroses contre Villander à Barcelone, et le 31 mars, jour de mon anniversaire, et que j'avais demandé au médecin d'être sur pied pour Roland-Garros, et je suis arrivé sur pied, mais je suis arrivé sur un pied parce que je n'ai pas été opéré et je boitais. Et je joue Patrice Kuchna au deuxième tour. Que tu bats en 5-7. Oui, et Kuchna mène 5-1 au troisième balle de match, 5-2 au quatrième balle de match, 5-1 au cinquième balle de match. Et je gagne le match. Et Patrice avait tellement peur de gagner ce match, et je boitais, j'étais sur un pied, et je lui disais, mais tu n'as qu'à pousser la balle. Il n'arrivait pas à pousser la balle. Donc je gagne 9-7 au cinquième, et arrive le jour du match contre Connors, donc troisième tour, dimanche après-midi. Et je dis à Jack Dorfman, je lui dis, écoute Jack, je ne suis pas en position de jouer. Il me dit, écoute, on verra, tu vois. Et le match d'avant, c'est Gene Mayer contre Petit, 4-2, abandon. Gene Mayer abandonne. Donc Dorfman me dit, tu rentres sur le court, tu fais ce que tu veux, mais il y a 15 000 personnes, il fait beau, on ne peut pas faire un match de 6 jeux et puis ton match à toi. Et je rentre sur le court en boitant. Et je prends 6-1, 6-1, 6-0. Mais véritablement, Julien, tu as joué au tennis. Benoît, il comprend pas grand, il n'a pas joué au tennis. Donc les blessures, il ne les connaît pas. Donc, je boitais vraiment bas. Et Connors, cet enfoiré, en plus, il marchait, il boitait, il me refaisait. Donc, c'est vrai que là, quand il me faisait un amorti, je n'arrivais pas à y aller, puisque je pouvais à peine marcher. Le kiné rentrait 5 fois sur le court, il m'a mis des bandages, j'avais une jambe, je ne pouvais absolument plus bouger. Et donc, voilà, mon histoire avec Connors, voilà commencé. Le chat sur YouTube, en tout cas. Et cette année-là, Connors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il va jusqu'en quart de finale où il va perdre contre José Luis Clerc. Il avait été mais détestable tout au long du match. Il avait insulté Clerc, il lui avait fait des doigts d'honneur. Enfin, moi Connors, j'avais beaucoup de mal avec Connors. On a des jeunes sur le chat, sur YouTube, évidemment, et il y en a qui nous disent que ça devait être sympa de regarder les McEnroe, Borg, Connors à l'époque. Ambiance et jeux différents d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas connu ça. Julien. Oui. Julien, une petite anecdote secrète que tu n'as jamais dit sur Roland-Garros première semaine, si on peut. Non, si, je l'avais dit déjà dans son filet. C'est le truc un peu limite, comme Jean-François connaît, et bien sûr Benoît ne connaît pas ça, la peur de rentrer sur le court. Et c'était même pas en adulte, c'était en junior, quand j'ai fait dans mon slip. Sur mon premier match, voilà. Ça c'est vraiment l'anecdote un peu bête, mais voilà, t'es jeune. Tu vois, t'es jeune, tu fais ton premier Roland, t'es tout émoustillé, du mal à rentrer sur le court, même si t'es que les juniors. Voilà, après non, il y a d'autres anecdotes sur les cours, comme l'histoire des fameuses des lentilles de Philippoussis quand je me fais embobiner, quoi. Raconte-le, je ne sais pas si tout le monde a suivi. Non, alors, ça va prendre 1 ou 2 minutes. C'est que je joue donc Philippoussis sur le cours numéro 3, il fait vraiment pas beau, pareil, un peu comme disait Jean-François. On finit à la nuit où je mène 2-7-0, 4-0. Voilà. Je me dis, c'est bon, là, le Philippoussis, voilà, je vais me le faire. Et en fait, à 4-0, tac, il va à la chaise d'arbitre, il prend ses raquettes et il s'en va. C'était Carlos Bernardès, l'arbitre, il dit rien. Je lui dis, mais attends, il n'a pas le droit de sortir du coup comme ça. Il me dit, si, il fait comme il veut, il a un problème de lentille, il s'en va. Donc moi, voilà, un peu néophyte quand même, je dis rien. Je vais quand même dans le bureau du juge arbitre en disant, mais c'est anormal, sachant qu'il y avait Kafelnikov et Moya qui jouaient à côté, Moya sur le central, Kafelnikov sur le 1, et ils avaient continué à jouer, ils avaient même fini leur match. Donc la nuit, un petit peu difficile quand même pour m'endormir, donc je reviens le lendemain, il y a de nouveau une pause pour une raison de pluie, donc je perds le 3e, 7-6, je perds le 4e, je serre pour le match au 5e, je perds le match. Oh là là. Donc voilà, ce sont les aléas du tennis. Et 10 ans après... 10 ans après, hein, écoutez bien. 10 ans après, je rencontre la femme, qui est maintenant la femme d'un de mes potes, qui est Thierry Hasson, qui sortait à l'époque avec Philippoussis. Et puis on discutait de ça, et puis elle me dit « Ah mais Julien, je me rappelais pas de toi, c'est toi qui avais joué Marc et tout ça. C'était un match chouette. » Je dis « Punaise, ouais, en plus ton foire avec ses lentilles. S'il n'avait pas eu ses lentilles, voilà, c'était fini, le match était bouclé. » Mais elle me dit « Mais il a jamais eu de lentilles, quoi. » En fait, il avait pris l'excuse de dire à l'arbitre Bernardès, j'ai mes lentilles, je vois plus rien. Et en fait, c'était Paul McNamara qui l'entraînait à l'époque. Et je me rappelle que quasiment à 3-0, il faisait beaucoup de gestes avec McNamara. Alors peut-être que là, tu lui as conseillé de dire, mais voilà, vaut mieux que tu ailles au vestiaire, ça va mieux se passer. Donc voilà, c'est une petite... J'adore cette anecdote. Pardon, Juju, mais j'adore cette anecdote. Ouais, ce sont les aléas. Benoît, mon cher Benoît, rapidement, ton anecdote. Tu ne l'as jamais dit parce que tu en dis beaucoup. Moi, personnellement, si j'avais eu des balles de match contre Connors, j'aurais gagné. Tu vois. Si j'avais joué à Roland-Garros, je ne me serais pas fait dans le short au premier match. Tu vois. Mais je me souviendrai, je crois que ça doit être mon 6e ou 7e Roland-Garros en tant que journaliste. Et je réussis à avoir Raphaël Nadal en interview en tête-à-tête. Et ce qui est rarissime. Quoi. Tu vois, on doit être en 2006. Mais qu'est-ce que je te dis? Non, ça doit être mon 15e ou 16e Roland-Garros. On est en 2006-2007. Et donc, je me retrouve avec Raphaël Nadal, avec le cadreur et tout, preneur de son, machin, le truc super installé. On fait l'interview, Rafa super sympa, Tony Nadal qui vient, on papote pendant le tournoi, plein d'infos, génial. Le mec, il me raconte pourquoi il joue comme ça, qu'il n'est pas droitier, qu'il n'est pas gaucher, qu'il joue des deux mains. Un truc de dingue. Et puis là, j'arrive, je dis au mec de la chaîne pour laquelle je bossais, je dis « Mais attendez, les loulous, là, j'ai un truc en or, ça va être génial ». Et là, j'écoute la cassette, il n'y avait pas de son. Ils avaient envie de mettre le son. Eh bien, on va juste passer un petit coucou à Pierre, notre réalisateur à qui c'est arrivé. Souvenez-vous, lors de notre première interview, Pierre, on t'embrasse. Là, je peux te dire que quand ça m'était arrivé, ce truc-là, j'étais dans une rage, folle, ouais. Te connaissant, au niveau boulot, effectivement, ça a dû insulter un peu. Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Voilà pour les petites anecdotes. On essaiera d'en d'ici aussi la semaine prochaine. Mais on va parler d'un sujet qui fâche. Oui, parce que là, on s'est détendu, on a parlé de belles choses. Et là, on va basculer sur un sujet qui fâche. On va revenir sur une polémique grandissante lancée par Marion Bartoli lors d'une émission sur Tennis Major. On lui a demandé comment mieux répartir le prize money. Et pour elle, il faut détourner l'argent du double vers le simple. On va lire ce qu'elle a déclaré. « Pourquoi ne versez-vous pas une partie de cet argent au calife, à quelqu'un qui ne joue que des challengers ? Je ne comprends tout simplement pas, parce qu'en double, vous ne faites pas le même effort qu'un joueur de simple, vous ne pratiquez pas autant. Il continue semaine après semaine à obtenir cet argent. Je ne sais pas si nous devons arrêter complètement les doubles, mais nous pourrions donner cet argent à la qualification et à d'autres. Cela devrait être une solution. » Alors, c'est un vrai sujet qu'on n'ose pas vraiment aborder dans le milieu. C'est un vrai sujet tabou. On va juste voir la réaction, évidemment, de Nicolas Mahut avant de rentrer dans le vif du sujet. Il a évidemment réagi, Nicolas Mahut, et il répond à Marion « Si je suis ton raisonnement concernant la notion d'effort, tu penses alors que les femmes ne devraient pas avoir le même prize money que les hommes en grand chelem, car pas de match au meilleur des 5-7. Moi, si, je pense que tu te trompes de cible. » Alors, Jean-François, est-ce que Marion Bartoli se trompe de cible ? Alors, je pense que sur le fond, elle a raison, et que sur la forme, elle n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que, bon, contrairement à ce que tu disais, c'est un débat que l'on a, nous, dans nos réunions de l'ATP, depuis que j'y suis. Donc, ça fait 25 ans que j'entends parler du double. Donc, c'est monté crescendo parce que le double, lui, au contraire, a baissé, je dirais, en valeur, ou disons en médiatisation. Et mon propos, il ne va jamais être à titre humain, parce qu'il y a des joueurs de double, depuis que je suis directeur du tournoi, avec qui je suis super pote. Il y en a que j'apprécie particulièrement. Et donc, ce que je peux dire ne va pas par rapport à des hommes ou à des femmes qui jouent en double, mais va plutôt au modèle. Aujourd'hui, est-ce qu'une société, je pense à Renault, fabrique des voitures. Ils vont fabriquer une voiture et cette voiture va entraîner la société vers le bas parce qu'elle va perdre de l'argent régulièrement. Est-ce qu'ils vont maintenir la production de cette voiture? Non, ils vont l'arrêter. Aujourd'hui, le double est une charge pour les tournois. Je parlais de 250, des 500 et même des Masters 1000. C'est une charge. Il n'y a pas de médiatisation. On ne vend pas un billet pour des joueurs de double. On ne vend pas un partenariat et on ne vend pas une minute de médias pour voir du double. Donc, à partir du moment où le produit n'est pas médiatique, n'est pas vendeur, ce n'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Donc, en termes de solidarité, l'ATP, la WTA, on dit qu'il faut faire en sorte que les joueurs de double puissent subsister. Et puis, le double, c'est aussi la tradition, c'est l'histoire. C'est ça, c'est culturel dans le tennis quand même. Donc, et le double est très intéressant pour développer même le jeu de simple. Beaucoup de joueurs, de très, très bons joueurs de double, je pense à Guy Forget, était d'abord un excellent joueur de double, numéro 1 mondial ou numéro 2 avec Jacob Lasek, pour ensuite vraiment éclaté à 25 ans ou 26 ans en simple. Donc, s'il n'avait pas été aussi fort en double, il n'aurait pas été aussi fort en simple, certainement. Donc, le double doit être enseigné même dans les écoles de tennis. C'est quelque chose qui est très, très formateur. Ensuite, au niveau du tournoi, des tournois aujourd'hui, la difficulté, c'est que, à mon époque, j'ai encore vu des Newcombe Roche, des Lever Stolley, des équipes incroyables, des McEnroe Fleming, même des McNair Stewart. Mais enfin, il n'y avait que des équipes assez incroyables. Donc, maintenant, le problème, c'est que les joueurs de double sont très, très spécifiques. Et si on en prend certains, en simple, ils auraient un niveau à peine de tête de seconde série. Ils jouent moins 2, moins 4, maximum pour certains. Et ils sont dans les 5 premiers mondiaux. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai beaucoup de réactions sur YouTube et ça pointe les diffuseurs. Voilà, ils nous disent, mais si on nous proposait plus de doubles à la télé, on regarderait. Les diffuseurs doivent aussi diffuser plus de doubles. C'est une question que je vais poser à Jean-François parce que nous, on a aussi l'œil et le prisme français. Tu vas en Angleterre, Wimbledon, finale avec un des frères Murray, fait plus d'1 million d'audience. Donc, ma question à Jean-François, c'est de savoir, quand tu fais tes réunions à l'ATP, est-ce que dans les tournois européens de l'ATP ou même au niveau monde, est-ce que c'est ce même ressenti pour les joueurs de double où il y a quand même des pays qui, à leur façon, essayent de, voilà, de faire monter la mousse, d'apporter plus sur le double, de faire plus de visibilité sur le double, où tous les directeurs de tournoi ont le même discours que toi? Tous les directeurs. Il y a eu une époque où Étienne de Villiers, quand il était président, il avait véritablement développé la marque des joueurs de double et notamment des frères Bryan. Mmh. Donc, il y a eu, en effet, une médiatisation et un intérêt qui était assez fort aux États-Unis pour les frères Bryan. L'année où à Nice, je fais venir les frères Bryan, qui m'avaient demandé une garantie, qui était l'équivalent de joueurs qui étaient à peu près dans le top 20 mondiaux en simple, j'avais dit non. Bon, et puis le fait qu'ils aient joué, ils n'auraient pas été là, c'était exactement pareil. En revanche, quand il y a des Français qui brillent à Marseille ou à Lyon, c'est sûr que, ou même à Roland-Garros, quand il y a eu Garcia Mladenovic en finale du double et qui gagne le double, c'est sûr qu'il y a un intérêt, mais il y a un intérêt donc qui est spécifiquement par rapport au fait que c'est un Français qui arrive en finale, etc. Donc, la réalité, elle est que sur les 250, par exemple, sur les 500, on a mis la finale du double, je pense sur les 1000 aussi, juste avant la finale du simple, pour qu'au moins la finale se termine avec beaucoup de public. Lorsqu'on mettait une finale après la finale du simple, donc c'était la désertion totale. Il n'y a plus qu'à la fin, allez, je dirais 200 personnes, 300 personnes, alors qu'il y en avait 7000 juste auparavant. Donc, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le double n'attire plus le public, les médias ou les partenaires. Donc, il faut réfléchir et voir ce que l'on peut faire avec ça. Eh ben justement, Jean-François, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses. Quelle pourrait être une solution pour conserver le double dans un tournoi qui est un tournoi de double, peut-être pas sur la semaine, parce que ça veut dire qu'il faut loger tous ces joueurs, il faut les nourrir, il faut trouver de la place pour qu'ils s'entraînent. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça sur un nombre de jours peut-être moindre? Comment vous avez pu réfléchir à ça? Non, mais aujourd'hui, il y a une répartition qui est faite. Je pense que les joueurs de double, mais là, si Nico prenait la parole, je ne sais plus si c'est 17%, 18% de nos prize money, mais dans la réalité, avec ce que ça coûte, c'est vrai, un hôtel, on n'a que 2 cours, donc l'utilisation des cours, c'est très compliqué. Et puis, comme le dit Marion, aujourd'hui, les joueurs de double arrivent avec tout un staff. Ils sont, à l'époque, voilà, c'est lourd à gérer, donc le double. Derrière, dans les réflexions que l'on a eues par moment, lorsqu'on a voulu aménager justement, on s'est heurté quand même à une fronde et à un syndicat des joueurs de double qui est très puissant. Comme toujours, ceux qui sont un peu plus faibles fédèrent beaucoup plus, sont beaucoup plus solidaires, donc beaucoup mieux organisés pour répondre justement à des attaques qui venaient du management de l'ATP en disant voilà, il faudrait voir si on peut changer quelque chose. À l'époque où Patrice Dominguez était directeur de l'Europe, je me souviens, il y avait eu, donc il s'était retrouvé dans une réunion où il y avait 2 avocats en face de lui, tous les joueurs de double, et il dit voilà, maintenant on va faire un procès à l'ATP. Donc il y a un syndicat qui est vraiment très fort. Donc la réflexion. Il faudrait repartir sur un système. Moi, je suis pour faire des doubles sur le lundi, mardi, mercredi au maximum. C'est-à-dire le lundi, ce ne soit qu'une journée de double. Il n'y a pas de simple. On fait la journée que des doubles. Puis le mardi, il y aurait demi-finale et le mercredi, la finale. Mais voilà, bon, faire passer ça, faire accepter ça par les joueurs de double, c'est impossible. Attends, Marie, j'ai juste 3 choses à te dire. La première, mine de rien, ils ont des... Non, essayez d'être très vite. Ils ont déjà fait évoluer parce qu'ils ont fait maintenant, tu sais que tu as Noah à 40A est un super tie-break. Donc, on a essayé de rétrécir un peu les formats pour refaire venir un peu les joueurs de simple, de renom. Parce que comme ça, c'est ça que je voulais appuyer. Parce ils ont des formats un peu plus courts. La deuxième chose que je voudrais dire à Marion, mine de rien, c'est que quand elle fait le trophée des légendes à Roland-Garros, je suis désolé, mais elle prend entre quand même 10 et 15 000 euros pour faire ses 3-4 matchs de double. Est-ce que tu ne trouves pas ça aussi un peu aberrant de prendre 10 ou 15 000 euros pour faire 3 matchs de double quand, voilà, quand tu es Marion Bartoli pour le trophée des légendes, tu vois? Moi, je trouve que par rapport à ce qu'elle dit, elle se plante un peu, quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Je t'ai dit, c'est pour ça, sur le fond, il y a un problème avec le double, et notamment sur nos tournois et les tournois indoor, sur la forme, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait justifié. Quand elle parlait, elle disait dans les qualifications, Moi, je milite aujourd'hui pour que les 250 et les 500, on n'ait plus de qualification. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tableau de 28, j'ai un tableau de 48. Un joueur qui est 60e mondial, qui est à Marseille et qui joue les qualifications en étant 60e mondial, ce n'est pas un joueur de qualification. Et de toutes les manières, ça dévalue un peu le joueur de tennis. On dit après, ouais, lui, il sort des qualifications. Ça veut dire non, tu le mets au premier tour. Donc, il n'y aurait pas de qualification et il y aurait un tableau direct de 48. Je donnerais plus de prize money, mais on rentrerait sur un tableau de 48 et progressif. Ce qu'ils ont fait un peu forcé, parce qu'il y a eu cette fameuse réforme au niveau de l'ITF, en voulant arrêter les futurs, en réduisant le nombre de joueurs. Dans les challengers maintenant, ce n'est plus des tableaux de 32, mais c'est des tableaux de 48 sans qualif. Voilà. On a quelques propositions sur le chat YouTube. On a notamment Emmanuel qui nous dit « Mais pourquoi ne pas imposer aux joueurs de simple de faire un minimum dans l'année de matchs de double ?» Je peux te répondre. Ils font un minimum. Quand tu vois un joueur qui arrive, qui n'a pas joué, moi, la semaine avant Marseille, il va jouer en double, qui s'appelle Medvedev, Tsitsipas, il était avec son frère. Mais il vient faire un match d'entraînement. Il ne vient pas faire un match pour gagner le tournoi. Il vient pour prendre... l'atmosphère, pour sentir le terrain, les balles, l'atmosphère, c'est tout. Donc, en fait, aujourd'hui, le joueur qui est tête de série, qui s'appelle Tsitsipas, qui est numéro 5 mondial, ou Medvedev, qui est numéro 3 ou 4, ben, il vient, il fait son petit match pour prendre la mesure, parce que ce n'est pas facile d'avoir un cours d'entraînement, parce que les cours d'entraînement, ben, ils sont pris par les joueurs de simple et les joueurs de double. Donc, s'il veut s'entraîner, ben, il faut qu'il fasse un match. Et donc, le niveau et la valeur du fait d'avoir Tsitsipas, Medvedev ou les meilleurs joueurs mondiaux, c'est juste pour faire un match, deux matchs éventuellement. Et puis c'est tout. Il y a même pire parfois, c'est qu'ils gagnent le premier tour, mais vu qu'ils vont enchaîner le simple, ils se retirent en double, pour ensuite attaquer leur tournoi de double, leur tournoi de simple. Donc c'est un peu dommage. Mais on voit quand même que de toute façon, il faudrait réfléchir à nouveau à essayer de trouver une case pour ce double qui est considéré quand même comme le parent pauvre du simple. Alors, on l'a vu avec les Masters 1000, où ils ont obligé, entre guillemets, les meilleurs à jouer en double pour attirer un peu plus de public, pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde tout au long de la journée. Mais il faut changer quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le modèle économique du double fout en péril les tournois comme ceux de Jean-François. Oui, c'est vrai que ça nous impacte de 20%, qu'on pourrait remettre justement dans les prize money pour… le tableau pour les joueurs de simple. La solution, ce serait quoi? C'est d'avoir un circuit de double. Comme à une époque, il y avait les finales des Masters de double qui étaient avant les Masters de simple. Mais quel a été le résultat? Le constat, c'est qu'il n'y avait pas de public, c'est qu'il n'y avait pas de business, donc on ne pouvait pas. Donc on les a remis. Aujourd'hui, quand ils jouent à Londres, il y a 18 000 personnes. Quand ils jouent à l'O2, il y a 18 000 personnes qui regardent le double qui se joue sur chaque session. Donc, voilà. Et faut pas se mentir, on en parle beaucoup du double en France parce qu'on a eu cette histoire avec Noah, Forget, Lecomte, qui était très bon en double, Pioline, Santoro. Faut pas oublier Nicolas Mahut. Voilà, Nicolas Mahut qui est numéro 3 ou quelque chose comme ça, avec Pierre Hugerbert. Il y a Fabrice Martin. Il y a Christina chez les femmes aussi. Chez les femmes, il y a Christina avec Caroline Garcia, mais même Christina, elle reste une très très bonne joueuse de double. Donc ça nous parle à nous Français, mais il y a des pays dans lesquels il n'y a aucun joueur, aucune joueuse de double. Benoît, simplement, trouve-moi aujourd'hui ou cite-moi les 15 premiers mondiaux de double. Ah, ça sera dans le quiz tout à l'heure. Donc, voilà. On te donnera la réponse tout à l'heure. Il y en a un qui trouve ça, même dire les 10 premiers. Ouais, déjà les 10. Il est fort. Il est fort. Le truc, il ne faut pas se voiler la face. Si tu prends Federer qui s'entraîne, qui joue en double toutes les semaines, il va être numéro 1 mondial ou numéro 2. Et le numéro 2 ou numéro 3, ça va être Djokovic, ça va être Nadal, ça va être les meilleurs. Il n'y a pas… le tennis, c'est un sport, c'est un sport global. Donc, le gars qui est le numéro 1 en simple, s'il joue en double et qu'il s'entraîne un tout petit peu et qu'il prend les réflexes du double, il va être numéro 1 en double aussi. Et ça a été de tout temps comme ça. Il n'y a pas eu, à part une époque où il y a eu Stewart McNair, qui étaient deux joueurs, qui étaient quand même à un niveau à peu près de 20e mondiaux, et qui étaient des attaquants, à une époque où aussi le tennis était porté vers l'avant et sur l'attaque, donc avec des grands services et des grandes volées. Ça a été la seule équipe véritablement qui n'était pas dans les 5 ou 10 meilleurs joueurs mondiaux de simple et qui arrivaient à s'installer et gagner des grands chelems. Voilà. Sinon, ça a toujours été Newcombe, Lever, Roche, Roswell, Odd, McEnroe, Fleming. Pour aller un peu plus loin, quand on se rapproche un petit peu plus, le dernier joueur qui faisait simple et double quasiment à chaque tournoi et qui a fait quand même en 96 Roland, vainqueur en simple, vainqueur en double, c'était Kafelnikov. Mais en 96, Donc maintenant, c'est physiquement impossible. C'est ça, tu ne peux pas faire le simple de manque. C'est impossible de super bien jouer en simple et en double. Ah oui. Sur un gros champion. Et Julien, tu as connu Kafelnikov, c'est un surhomme. C'était une bête physique incroyable, une résistance incroyable. C'était un mec hors du commun. Un mec hors du commun. Alors, on a plusieurs réactions. Je vais les lire avant de terminer sur le sujet. Jean-Daniel qui me dit, sans vouloir être méchant, pour moi, le double, c'est avant tout pour les seconds couteaux, car ils savent qu'en simple, ils n'ont pas le level pour jouer les premiers rôles. C'est ce que nous dit Jean-Daniel. Excuse-moi, j'ai envie de répondre tout de suite, parce que, si tu veux, ça m'embête, cette histoire sur le double. Parce que quand on est en club, qu'on joue entre potes, avec les personnes plus âgées et tout ça, on joue tous en double. On a même les matchs par équipe. Oui. Et si vraiment on se donnait la patience de regarder des matchs de double, c'est extraordinaire le niveau de ces mecs-là. Moi, j'adore regarder le double parce que tu apprends plein de choses. Tu vois des points, des matchs fabuleux. Mais encore une fois, tu as toujours l'impression que c'est un petit peu mis de côté. On ne le met pas en avant. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, j'en parle quand je commentais tout ça. Je dis que, comme Jean-François, c'est hyper important. Je me rappelle quand je m'entraînais avec Georges Degnaud, c'était une obligation de jouer simple et double, et je peux dire que tu n'avais pas le droit de balancer ton double parce que tu avais perdu en simple. Tu faisais ça, tu rentres à l'hôtel en footing et tu faisais des pompes parce que ça aidait, comme le disait Jean, ça t'aide au retour, au service, à l'enchaînement, à la volée, ça t'aide sur beaucoup de compartiments dans le jeu. Donc, c'est aussi au club et aux enseignants de club de ne pas se mettre 15 mètres derrière et faire du Rafa Nadal pendant 2 heures. C'est aussi de les faire travailler dans cette optique-là, de travailler le double. Si tu intègres ça à des jeunes joueurs, des jeunes de venir vers l'avant, de faire du double, peut-être que ça aidera aussi à ce que les gens s'imprègnent un peu plus du double. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le double, justement, a baissé? Tu parles justement de cette époque-là. Pour moi, le passage, il s'est fait à la fin des années 90. Pourquoi? Parce que le jeu a évolué à la fin des années 90. On est arrivé avec des joueurs qui étaient beaucoup plus installés sur le fond de court, beaucoup moins d'attaquants. Federer était un attaquant. La première fois où il vient à Marseille, en 98, il a 18 ans, un truc... C'était un mec qui faisait service volé systématiquement et petit à petit, il est resté beaucoup plus au fond du court. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à se faire transpercer. Donc, un joueur aujourd'hui de simple, et si tu regardes la plupart, à part quelques exceptions, c'est un mec qui a plutôt une base du fond du court et qui va jouer comme un rouleau compresseur pour tuer l'autre. Le double est beaucoup moins utile pour son jeu. À l'époque, les McEnroe, tous les mecs que je t'ai cités, c'est des gars qui faisaient service volé sans arrêt, qui montaient au filet, qui ne faisaient pas un échange du fond du court. Ils ne tenaient pas l'échange du fond du court en plus. Donc voilà, il y a eu cette évolution. Tu sais, oui, là, pour appuyer un peu ce que dit Jean-François, j'ai eu la chance de terminer sur le sujet. Juste dernière, Albert Costa. Et quand même, Albert Costa, c'était quand même sur terre et comme gagné Roland. Et pour jouer avec lui en Allemagne, j'ai joué en double avec lui. Et le pire, alors sur les retours, automatiquement, les deux sur la ligne de fond de court, même quand il servait, il voulait que je me mette au fond. Parce qu'il me disait, je suis 10 fois plus à l'aise et c'est comme ça que je joue. Mais je lui dis, mais moi je peux pas jouer en double et me mettre quand tu sers sur la ligne de fond de court. Et si, quand je sers, c'est comme ça. Donc, tu vois, effectivement, le jeu a été tiré beaucoup plus vers l'arrière. Albert Costa, il n'a pas dû faire un enchaînement service volé de sa carrière. Je finis juste en double. C'est Benoît, il faut voir à l'entraînement des joueurs de double. Ils jouent sur un demi-terrain, jamais sur un terrain complet. Ils ne savent pas ce que c'est un terrain complet. Donc, ils ne jouent que vers l'avant, avec le service et la volée, même pas en latéral. Je suis sûr que si tu leur fais faire 10 fois des pas chassés latéralement, ils ne le font pas. Donc, parce qu'ils ont un style de jeu qui est très, très simple. Après, c'est très agréable à voir. Vous voyez des joueurs, ça va à une vitesse et des réflexes assez exceptionnels. On va terminer cette émission avec un petit quiz spécial double. Donc, on reste dans le thème, spécial double. Je voulais voir si vous y connaissiez un petit peu en double. Ça va, c'est pas compliqué non plus. On est très franco-français dans mes questions. 4 petites questions. On y va. Quelle paire française s'impose à Roland en 2014? Benoît? Mahut-Herbert. Non, en 2014. Benetton-Mahut. Benetton et quelqu'un d'autre. Ah merde. Merde. Ah, Edouard et Doudou. Ouais, c'est ça, exactement, Benoît. Julien, pardon. En 2014, c'est si vieux que ça déjà. Et ça. Oui. Bon, l'an dernier, on a une paire tricolore qui a fait finale à Roland. Benoît. Fabrice Martin, Jérémy Chardy. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, là, c'est la question pour Jean-François, qui est l'actuel numéro 1 mondial en double. Il est colombien. Lucas Coubot. Ah, non, Coubot, t'es malade, toi. Non, mais c'est honteux. Je ne connais même pas les vainqueurs de double de l'Open 13. Je ne peux pas te citer une équipe. Je ne sais pas. Donc, voilà. J'ai honte de le dire parce que ce sont des gens qui méritent le respect. On va couper au montage. Je dirais, je ne sais pas lequel des deux. C'est soit Farah, soit Cabal. Je dirais Farah, c'est celui qui avait mangé de la viande là, ou je ne sais pas quoi. Là. Ouais. Ben, c'est Farah. Allez, on finit. Combien de titres du Grand Chelem en double dame pour Kristina Mladenovic? Je compte donc pas les doubles mixtes. 5. Pas mal. Non, pas 5, mais t'es pas loin. Ah bon? 4. Ouais, c'est 4. 2 Australiennes et 2 Roland-Garros. Donc, c'est quand même un beau palmarès pour Kristina. Je vais juste rajouter un truc. Je dis juste un petit truc comme ça. Hein. C'est bizarre, mais depuis une semaine et demie, j'entends plus parler de la fusion ATP-WTA. Hein. Voilà, c'est tout. C'était ton film. Oui, parce que ça a été... Non, mais tout le monde... Bon. Tout le monde s'est excité avec le tweet de Federer, mais là, on n'entend plus parler. Mais bon, voilà. Jean-François. On a été beaucoup à être favorable, on est beaucoup à être favorable. Après, il peut y avoir un rapprochement, fusion entre les deux associations, c'est pas possible. On est deux structures à part qui existent depuis des années et des années. Après, qu'il y ait des rapprochements pour les calendriers, pour beaucoup de choses et pour tous les protocoles d'ailleurs qui sont mis en place, ça oui, et il y en a beaucoup. Et avec le premier à avoir initié ça, c'est Chris Carmode, le président de l'ATP. Et là, Gaudenzi et Steve Simon, je sais, travaillent véritablement main dans la main. C'est normal qu'il y ait… Et la réponse de Nico par rapport au tennis féminin, je ne suis pas du tout d'accord avec lui non plus. Quand il dit que les filles jouent en moins, doivent gagner moins. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, il n'a pas dit ça, hein, Nicolas Mahut. Hein. Non, bah, non. Si, sous-entendu, c'était ça. Non, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il a dit, Marion, tu dis ça, donc si... Non, non, c'était pas ça. Hein. C'était Gilles Simon, par contre, pour le coup, qui avait dit en 2012, je crois, après Wimbledon, qui était parti sur ce chemin-là. Mais Nicolas Mahut, non, non, il n'a pas dit ça. Voilà, bon, de toute façon, émission terminée. Je suis désolée, messieurs, toutes les bonnes choses ont une fin. On va remercier, merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous. C'était passionnant, je crois que les gens ont beaucoup aimé. Nous aussi, tu reviens quand tu veux, évidemment, dans Sans Filet. Merci beaucoup Juju, merci beaucoup Benoît. On verra si on invite Benoît. On verra si on invite Benoît. Non, mais il faut un niveau de tennis minimum, il est vrai. On va remercier aussi Pierre à la réalisation qui ne sait pas jouer au tennis, mais qui est quand même très performant. Merci à toi, mon cher Pierre. On se retrouve très vite pour du tennis la semaine prochaine, jeudi 19 h. On vous embrasse. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.